La MINUSCA achète un large éventail de biens et de services nécessaires à la mise en œuvre de son mandat. Afin de permettre aux entreprises locales de participer au processus d'appel d'offres, la section des achats de la MINUSCA a organisé le 25 juillet une réunion d'information des opérateurs économiques locaux. En 2017, le volume d'achat de la division d'achat des Nations Unies était de 3 milliards de dollars, et y compris 175 millions pour la MINUSCA. Et le volume d'achat avec les entreprises centrafricaines était de 7,3 millions de dollars. Pour cette raison, les Nations Unies recherchent toujours de nouveaux vendeurs capables d'offrir des biens et des services de qualité au meilleur prix. L'objectif de ce séminaire était de donner aux entreprises centrafricaines des informations générales sur les Nations Unies et les procédures d'achat. Pour devenir vendeur aux Nations Unies, trois choses sont obligatoires. La première chose, c'est l'inscription sur le site ungm.org, le marché global des Nations Unies. La deuxième chose, c'est de répondre aux invitations de manifestation d'intérêt, les lettres de motivation. Nous voulons recevoir des lettres de motivation. Et la troisième chose, il faut répondre aux appels d'offres. 178 entreprises centrafricaines ont pris part à ce séminaire. Il y a des appels d'offres qui peuvent tomber de l'extérieur et que si nous sommes capables, si nous avons tous les éléments, ceux qui sont en train de faire la formation, c'est les éléments qui nous permettront d'affronter maintenant les autres partenaires du monde. Nous sommes dans la mondialisation. La MINUSCA achète un large éventail de biens et de services nécessaires à la mise en œuvre de son mandat.